Hey, salut les sculpteurs et bienvenue au club, bienvenue en Provence dans mon atelier en plein air. Aujourd'hui, nous avons deux choses à fêter. Premièrement, la reprise des cours à l'école de sculpture du club des sculpteurs nomades. Et deuxièmement, le lancement du tout nouveau site internet. Site internet que vous trouverez en description sous la vidéo. Et pour cela, je vous ai préparé un beau petit cadeau. Je vous ai préparé une formation entièrement gratuite. Le lien est sous la vidéo. Une formation sur les exercices pratiques pour pouvoir sculpter des feuilles d'olive. Différentes façons de sculpter les feuilles d'olive. Je vous rappelle, c'est une formation gratuite. Pour cela, il suffit de s'inscrire au club. Le lien est sous la vidéo. Dans cette formation, vous trouverez plus de 2 heures de cours pour apprendre à sculpter différentes feuilles d'olive. Alors, les cours commenceront par un cours de dessin pour apprendre à dessiner à main levée vos feuilles. Voilà. Alors, on fait une deuxième. Alors, tous les soirs, hein, comme il n'y a jamais rien de bien à la télé, qu'est-ce que vous faites? Faites-vous un quart d'heure de dessin. C'est toujours bon à prendre. Ce que je vous rappelle, pour être un bon sculpteur, il faut déjà savoir un minimum dessiner pour pouvoir créer tous les motifs que l'on veut. Voilà, on fera des feuilles. Et ensuite, on en fera une branche d'olivier. Dans ce cours, je vous donnerai aussi mon astuce pour trouver du bois noble gratuitement, tel que ce panneau de noyer. Voilà. Ça, c'est un bois que j'ai eu gratos. Dans ce cours, on va faire un comparatif entre la sculpture sur un bois médiocre, bois de palette, et un bois noble du noyer. Pour bénéficier de cette formation gratuite, il suffit de vous inscrire au club, d'accepter de recevoir mes emails et vous aurez accès à la formation gratuite à vie. Alors, pour cette formation, il va vous falloir quelques gouges, pas beaucoup. La première, l'indispensable, la gouge, la première à acheter, c'est le burin. Burin degré 60 degrés en 6 mm. Donc, si vous n'avez pas un 6, un 8 conviendra, mais moi je préfère travailler toujours avec le 6 mm. La deuxième gouge indispensable, c'est la méplate cintre 4 14 mm. Celle-ci aussi, c'est une gouge qui vous servira pour n'importe quelle sculpture. Deuxième gouge à avoir. Troisième gouge, une semi-creuse, cintre 5. Celle-ci, elle fait 12 mm. Voilà. Une cintre 5, entre 10 et 14 mm, ça ira. Si on n'a pas une cintre 5, c'est pas grave. Si vous avez une un peu plus creuse, une gouge de cintre 8, 10 mm, ce sera super pour faire le mouvement de vos feuilles d'olive. Et ensuite, c'est pas indispensable, mais pour faire les petites nervures sur les feuilles d'olive, j'ai un petit burin. Un 60 mm, un 60 degrés, mais de 3 mm. Voilà. Si vous ne l'avez pas, on se débrouillera avec le 6. Alors voilà ce que nous allons faire dans cette formation. Je vous rappelle que c'est une formation gratuite. Il suffit de vous inscrire au club du sculpteur nomade, accepter de recevoir quelques emails de temps en temps.
Je ne spamme pas. Vous n'allez pas en recevoir des masses. Et voilà, vous aurez accès à cette formation, une quinzaine de vidéos, des patrons, des astuces pour pouvoir apprendre à sculpter la feuille d'olive. Formation gratuite, le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Et voilà les sculpteurs, j'espère que cette formation vous sera profitable. Une fois que vous aurez bien fait vos exercices pratiques feuille par feuille, là vous pourrez attaquer la deuxième formation gratuite également, la branche d'olivier. Allez les sculpteurs, merci et bienvenue au club.